Bienvenue à la librairie chapitre 3. Je m'appelle Sophie Beignet, j'en suis à ma troisième vie professionnelle, on va dire. J'ai commencé dans l'éducation nationale par être professeure des écoles pendant 7 ans. Ensuite, j'ai repassé un CAPES de documentation, donc j'ai été professeure documentaliste pendant 13 ans. Donc là, je suis passée à la tranche ado. Ce qui m'a intéressée à ce moment-là, j'ai beaucoup axé mon métier sur l'action culturelle, l'ouverture culturelle, des rencontres avec des auteurs, des comédiens, etc., des sorties. Enfin, bon. Et évidemment, bah, du coup, le monde du livre. Bonjour. Bonjour. Ma force, c'est forcément la proximité. Oui, la proximité géographique et puis la proximité humaine, en fait. On discute avec les lecteurs, on cherche ensemble ce qui va leur correspondre. Je ne suis pas une héroïne du tout, quoi. Quand on me dit « waouh, quel courage !» Alors pour moi, le courage, c'est un héros quoi, qui a du courage. Moi, je ne pense pas que ce soit du courage de faire ce qui nous plaît. Un peu d'audace pour se lancer, c'est sûr. Quand on est fonctionnaire et qu'on annonce à notre entourage qu'on démissionne pour racheter une librairie, oui. Après, les gens qui me connaissent bien savent que voilà, j'y vais quoi. Je me lance et puis, ma foi... Ça marche pas, ben on fait autre chose. J'ai l'impression un peu de boucler la boucle. En tout cas, enfin bon, je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, parce que je crois que la vie, c'est plusieurs boucles.